Louane. Louane, tu fais quoi? Je suis en train de faire un diaporama sur le bateau, le flamand. Donc voilà, donc la page de présentation avec le bateau, puis Oul. Des explications. Donc, voilà. C'était Louane. Dans la marine, il faut qu'il y ait toujours du monde, alors c'est ici, c'est la passe belge. D'accord. Tu l'as visité en mode de nuit. Ouais. Donc tous les gens travaillent la nuit, donc il y a toujours des gens qui sont dockers, en passerelle ou ailleurs, donc ça dépend les bateaux. Et en fait, ils vont servir à conduire le bateau, ce qu'il faut faire, donc il faut qu'il y ait toujours du monde en passerelle. Après, il y a d'autres postes, quand il y a des gens qui vont travailler en machine, qui vont aller s'assurer qu'il n'y a pas le feu en machine, s'assurer que la machine marche bien. Il y a par exemple d'autres personnes qui vont aller travailler à tout ce qui est la sécurité, donc s'assurer qu'il n'y a pas le feu dans le bateau. Faire des rondes. Donc on travaille toujours de nuit. Après on fonctionne en horaire de quart, donc on ne travaille pas toute la nuit.
on va travailler 4 heures dans la nuit. Super, 3 personnes qui vont tourner 4 heures dans la nuit. On va se faire. Et ensuite, où est-ce que vous vos courses? Alors, pour les courses, ça dépend des bateaux en fait. Ça dépend de là où on est. Donc, par exemple, quand on est au port base, quand on est sur ce bateau-là, c'est Cherbourg. Quand le bateau il est à Cherbourg, ça va être la marine qui va acheter les courses pour le bateau. Le commis. Le commis, c'est la personne qui s'occupe des courses à bord. C'est lui qui va s'occuper de stocker et puis de garder tout ce qui est aliments et tout le reste. Et en fait, le commis, lui, il va faire ses courses auprès de la marine. La marine va lui envoyer la nourriture et il va la ramener à bord et il va la stocker. Donc pour la stocker, on a des frigos à bord. Des frigos congélateurs, donc c'est des grands frigos. Hein. C'est pas des petits comme chez toi. Et après, la subtilité, c'est quand on arrive par exemple en escale, donc dans les pays à l'étranger. Là, par exemple, les courses, ça ne peut pas être la marine qui va ramener les courses. Là, c'est le bateau qui va faire une commande auprès du pays. Donc, c'est le pays qui nous accueille qui va faire les courses pour nous amener à la nourriture. Ouais, merci. C'est conduire le bateau. Parce que ce serait bien de diriger un aussi grand bateau. Une belle expérience avec pour objectif de susciter quelques vocations. Ils sont jeunes, mais c'est à ce moment-là où on arrive à leur mettre un peu une idée dans la tête et ils arrivent à être passionnés. Et puis après, ils en discutent autour d'eux et c'est comme ça qu'on fait découvrir la marine. De cette journée, il restera à ses élèves de 4e un exposé à préparer et présenter prochainement à leur professeur. Donc la question que je voulais vous poser, est-ce que quelqu'un dans le groupe pourrait expliquer en quoi consiste notre projet en fait? Pour quelles raisons les marins sont là et nous qu'est-ce que nous allons faire cette année avec l'équipage du Flamand? Alors est-ce que quelqu'un serait capable de nous parler un peu du projet? D'habitude ils sont un peu plus bavards par rapport à tout ça. Alors Naomi, notre caméraman, il en faut bien une, allez-y. En fait, on fait un concours pour expliquer ce que l'équipage fait sur le Flamand. Et... Alors, il faut préciser, peut-être quelqu'un d'autre précisera, qu'on peut pas, ça ne sera pas un exposé comme sous forme d'affiche. Ça sera sous forme de vidéo et de montage. Thank you.
Présent Berlaymont dans l'Avesnois, depuis plus de 20 ans, ville marraine d'un patrouilleur de la Marine nationale basé à Cherbourg. À défaut de pouvoir accueillir à bord les collégiens comme chaque année, les marins ont proposé une visioconférence au quatrième, une immersion à distance. Loïc Benesch, Sébastien Gurac. La mission du jour, renforcer le lien entre la Marine nationale et des collégiens. J'ai 40 ans et pour faire simple, j'étais un peu à votre place. La tâche est ardue pour l'équipage du Flamand basé à Cherbourg, soit à 500 km de Berlaymont, même si depuis 1998, cette commune de l'Avesnois noue une relation particulière avec le patrouilleur. La ville marraine et le PSP Flamand, on a un lien quand même qui est assez fort et qu'on essaie de maintenir à travers différentes activités. Que la Marine nationale et la Défense nationale soient des notions qui leur parlent, qu'ils sachent concrètement ce que c'est, quel métier il y a derrière, à qui c'est ouvert, quels sont les parcours pour y accéder, donc se rendre compte également que ce n'est pas un milieu exclusivement masculin, qu'il y a de plus en plus de femmes à rentrer dans la marine. Habituellement, les marins du Flamand cassent les idées préconçues lors d'escales dans la région. La crise sanitaire est passée par là, alors les échanges se font par visioconférence. Y a-t-il des mineurs de moins de 18 ans dans l'équipage ? J'aurais préféré aller sur place parce que c'est une journée complète déjà. On aurait pu découvrir plus de trucs, je pense, mais c'est bien que ce soit fait comme ça. On a découvert quand même des trucs. J'aime bien tout ce qui est les océans, etc. J'aime bien. Et j'aime bien les bateaux. Mais ça ne m'intéresserait pas parce que je préfère travailler pas loin de chez moi pour voir ma famille, etc. Il ne s'agit pas d'une opération de recrutement, mais d'un projet pleinement intégré dans le programme du collège. L'année prochaine, ces quatrièmes seront donc en troisième et auront un cours sur la défense nationale qui fait partie de leur parcours de citoyenneté. Puis vous avez également le parcours Avenir, qui est le parcours d'orientation. Voilà, on a une petite idée derrière la tête, au cas où ça peut susciter des vocations, pourquoi pas. Matelots, plongeurs ou mécaniciens, les carrières dans la marine sont variées. Et si ces quatrièmes ne se sont pas encore fixés de futurs métiers, une graine a peut-être été semée.